Good morning, Ali Yiden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Mourib Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Nahouda, Sarah Batran Rachel, Shlomo ben Esther, Risha Batraim Nechemia, Lili Rachel Batacher, Chana Bat Sultana, ainsi que leur fête avant Mourib ben Rikout, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sachet Zachim, Perikyud Mishnah Zain. ובכולם הכהנים רשאים לשנות באכילתן, לאוכלן צלויים, שלוקים ומבושלים, ולתת לתוכן טבלי חולין וטבלי תרומה. דברי רבי שמעון, רבי מאיר אומר, לא ייתן לתוכן טבלי תרומה, שלא יביא את התרומה לידי פסול. On traduit directement, c'est très simple. ובכולם, et pour tous les corbanot que l'on a évoqués, pour lesquels les kohanim peuvent manger la viande. Les Kohanim sont en droit de changer le mode de consommation. On va expliquer de quoi on parle exactement, pour le moment traduit. Et donc, ça implique les Ochlan Tzluim, de les manger grillés, Shlukim, c'est cuit en sauce, de manière à ce que la viande elle fond. Vous savez, quand on fait cuire longtemps la viande, il y a comme ça certains plats, où si vous coupez la viande en tout petits morceaux, et que vous la faites ensuite, vous faites une sorte de pot-au-feu ou de sauce, la viande, elle va s'éclater. Ça s'appelle chalouk. Ou mets-vous chalim, et simplement cuit en sauce. La tête, les tochan, tivlei choulin, ve tivlei truma. Et de mettre en elle, donc dans cette sauce, dans cette cuisson, des tivlei choulin, des épices qui sont choulin, profanes, ve tivlei truma. Et des épices qui viennent de la trauma. On va expliquer ensuite c'est quoi. Pour le moment d'abord, juste on explique un petit peu au sens simple et au sens compliqué. Qu'est-ce que ça implique ? Il n'y a rien de compliqué, mais c'est juste pour faire un petit peu d'ordre. Tout d'abord, il faut savoir, pour tous les korbanot, la Torah n'a pas donné d'instruction particulière sur la manière de les consommer, si ce n'est qu'une seule instruction. Les ochlan, les moshra baim, ça a porté dans les matnot kuna. Je crois que c'est par Shabbat Shavua, justement. Korach, il me semble. Yotret, c'est Matim. Justement, c'est parce qu'ils se sont plaints de la... Enfin bref, non. Peu importe. Il y a la Torah, elle a donné une seule règle, l'ochlan, les moshrabaim, de les manger en tant qu'honneur, distinction. Un peu comme des rois qui vont manger quelque chose d'agréable. La Torah, elle insistait, vous mangez les korbanot de la même sorte. Les manger avec dignité et honneur, justement, de manger de manière classe. D'accord, c'est la manière de le respecter. Là, donc, au sens simple, la Mishnah vient m'enseigner, tu sais, donc tu récupères ta viande, tu as reçu un morceau de viande de khatat, et ben, tu le manges, tu le fais comme tu veux. Si tu veux le faire griller, tu le fais griller. Si tu veux le faire en sauce, tu veux mettre dedans des épices, tu le fais comme tu veux. Ça, c'est au sens simple. Le Bartanora, comme ça, c'est expliqué dans le Bartanora. Le Tosafot soulève toutefois un petit problème. C'est que, vous vous rappelez dans le Perek de Ezo Mekoman chez Zevachim, à chaque fois on rapportait Venechain Bechol Ma'achal, le Yom Valaila Adchatzot, le Shnei Amim Valaila Echad, mais chaque fois on mentionne la mention de Bechol Ma'achal. Dans le Perek Ezo Mekoman chez Zevachim, pour rappel, on rapportait chaque korban, la manière de le faire, et ensuite la manière de le consommer, où, quand, comment, où, dans quel, dans les parois, dans tout Yerushalayim, ou juste dans les Klaïm, quand, un jour, deux jours. Et comment la Mishnah me précisait, Bechol Ma'achal, comme tu veux. Ça venait juste pour exclure une seule chose en fait. Ça venait pour exclure dans le Korban Pessah qu'il faut nécessairement manger Tzalit, ki im tzliesh, c'est marqué dans le Torah, de le manger grillé. D'accord ? Il y a c'est le Korban Pessah où il y a une instruction particulière. Il y a aussi le Zohar Bechela dans le Korban du Nazir où il faut le faire bouillir. C'est quelque chose d'un peu particulier. C'est pas la peine de le mentionner concrètement. Donc ça veut dire que finalement, on se retrouve que la Torah m'a donné la permission déjà de le faire comme je veux, et ça a déjà été enseigné durant tout un Pérec. Vous remontez dans le Pérec Ezumekomachel Zvachim, à chaque korban, on t'a dit tu le manges Bechol Ma'achal, comme tu veux. Donc pourquoi la Mishnah a besoin de me dire, donc là aussi tu peux le manger comme tu veux. Ça c'était une question. Et la réponse, dans le Barthé Noël, va être de me dire non, le Chidouch, il va être que je vais même avoir le droit d'annuler la cuisson que la Torah m'a imposée. Il y a par exemple certains korbanot, on va prendre des cas de Menachot, où la Torah m'a imposé de le faire dans l'huile. Toutes sortes de menachot, on aura l'occasion d'apprendre, où il faut faire baigner dans l'huile, il faut faire frire. Alors maintenant, vous recevez
le Kohen va recevoir maintenant un petit bout de, une part de mincha, d'oblation de blé par exemple, où la Torah insistait de le faire à l'huile. Est-ce qu'elle a le droit, le Kohen, de le refaire bouillir dans l'eau de manière à ce que ça va annuler entièrement le goût de l'huile? Il va extraire toute l'huile de la sorte. La Mishnah enseigne que oui. Le chidouche de la Mishnah, l'exergue, il faut la mettre sur le mot l'échanot, de transformer. Ou Bekulan Akohanim Rasheim l'échanot. Les Kohanim ont le droit de changer, de modifier le mode de cuisson employé. D'accord? Maintenant, on va parler de la suite de la Mishnah. Il y a marqué de mettre dedans donc, des épices de Khoulin. Ouais, c'est-à-dire que le Kohen, quand il venait pour passer sa petite semaine au Beth Amikdash, il a porté dans son sac sa petite sauce moutarde, son ketchup, sa mayonnaise à la française, et il a mangé comme il voulait. Son frouk, chacun son ambiance. Alors ça, il peut mettre des, bien sûr des épices de Khoulin. Il y avait des cuisines dans le Beth Amikdash, ouais, il y avait plein de léchachot. On a l'occasion d'apprendre. Le Beth Amikdash, on a tendance à croire que c'est juste un misbéach et un echal, mais en fait non, il y a plein d'activités, il y avait plein de petites salles annexes tout autour du misbéach, tout autour de la Hazara, où là-bas les Kohanim pouvaient faire toutes sortes de choses. En l'occurrence, il y avait aussi un Beth Amikdachaim où ils faisaient cuire les choses. Et donc, il apportait toutes sortes d'épices, toutes sortes de sauces. La Mishnah enseigne qu'il avait même le droit aussi d'apporter des Tivlei Trouma, des épices qui appartiennent à la Trouma. Je m'explique. On va prendre par exemple, je fais pousser de la moutarde à la maison. Je suis Israël, ben, je vais devoir prélever la trauma. Ensuite, je vais devoir prélever ces graines de moutarde, en donner au Kohen. Le Kohen aura le droit, la Mishnah enseigne, le Kohen aura le droit de prendre cette trauma. Donc, il a le droit de la manger, il peut la manger chez lui, il n'est pas obligé d'aller au Beth Amikdash, mais il peut aussi la prendre et aller la manger au Beth Amikdash. Vous allez me dire, c'est quoi le chidouche? Vous avez peut-être raison, vous allez voir que justement, ça c'est l'avis de Rabbi Shimon. Rabbi Meir va nous dire qu'il y a un problème en cela. Quel est le problème? Rabbi Meir Omer, loiten le tocham tivlei trouma. Il ne mettra pas dedans des épices de la trouma. Pour quelle raison? Shaloya vieta trouma lide psoul. Afin qu'il n'amène pas la trouma à devenir invalide. Il y a une halakha très fréquente dans les lechot de trouma, de veiller à ce que la trouma ne devienne pas impure, de veiller à ce que la trouma ne diminue pas les personnes aptes prédisposées à la consommer. Il y a un grand inyan de ouais, la trauma, elle doit être mangée. Donc j'ai des oignons de trauma par exemple, j'ai fait pousser des oignons, j'ai prélevé la trauma, j'ai donné au Kohen. Le Kohen maintenant, il a un grand inyan de faire attention à ce que ces oignons de trauma vont être mangés. Or, s'il va amener ces oignons de trauma, il va les faire cuire dans une sauce au Beth Amikdash, avec un khatat, eh ben, il a limité le temps de consommation. Si la viande de khatat, on ne va pas réussir à la consommer d'ici le lendemain matin, eh ben, cette viande de khatat est devenue invalide. Alors la Torah a donné ça à la khatat pour la khatat, on n'a rien à faire. La Torah l'a dit. Mais pourquoi dans ce cas-là, tu vas mettre aussi des oignons de trauma, hein, de manière à ce que le lendemain, tu vas tout jeter à la poubelle? Il faut faire attention à la trauma et ne pas la jeter à la poubelle. D'accord? Tel est l'avis de Rabbi Meir. La khatat est établie comme Rabbi Meir. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.